You know what? He just left. Really? Yeah. Au rayon des films les plus attendus de l'année par les cinéphages pervers polymorphes, Scott Pilgrim vs. The World était extrêmement bien placé sur le podium. Oh my god! Ce qui n'a pas du tout empêché le distributeur de faire poireauter le public français pas loin de 6 mois avant de le sortir. What? En cause, la grosse bûche que s'est pris le film d'Edgar Wright au box-office ricain, engrangeant péniblement 30 millions de dollars de recettes pour un budget dépassant les 60. Hey. Pourtant, en voilà un film qui nous a fait des nœuds au slip. Jeez, buddy, it's gonna be alright. Adapté de la BD éponyme de l'auteur canadien Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim n'est pas seulement le film le plus abouti d'Edgar Wright, réalisateur, doit-on vraiment le rappeler, de Shaun of the Dead et Hot Fuzz, mais surtout une des comédies les plus ambitieuses et les plus hallucinantes visuellement jamais produites. Depuis Spaced, la série qui a fait connaître Wright et sa petite bande, le réalisateur anglais nous a habitués à bousculer toutes les convenances en termes de tempo comique. Scott Pilgrim? Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be. That's okay, you seem to sign for this, alright? So do you want to go out sometime? I say yes, we sign for your damn package. So yeah, 8 o'clock? Chaque plan, chaque intention de la bande-son, chaque point de montage de Scott Pilgrim est générateur de gags, en passant souvent par le référentiel culturel commun des geeks du monde entier. Et à quelques écarts gonzo près, Edgar Wright fait mouche à chaque fois. Il ne faut donc surtout pas voir en Scott Pilgrim qu'une grande galerie animée pour fans de jeux vidéo. What are you doing? Getting a life. Ce sont surtout les esprits de la comédie dans ce qu'elle a pu avoir de plus baroque, d'Elsa Poppino au Monty Python en passant par Mel Brooks, qui sont ici conviés. Is that not clear? Is that not clear? Peut-être que le malentendu autour du film repose dans le fait que les références ici évoquées, du jeu 8-bit à Akira en passant par Seinfeld, vont surtout donner des palpitations aux trentenaires, alors que les persos du film, et probablement la cible du studio, sont plutôt des jeunes entre 18 et 25 ans. You have a band. Yeah, we're terrible. Please come? Sure. Can I get your number? Wow, girl number. Mais nul ne pourra jamais nier l'incroyable inventivité du film, sa richesse thématique et la banane mouse qu'il vous colle sur la tronche de la première à la dernière image. You made me swallow my gum. Au moins, en sortant en décembre, Scott Pilgrim fait figure d'extraordinaire cadeau de Noël pour les cinéphages français. Alors ne faites pas les cons les mecs, ne cédez pas aux sirènes du téléchargement dit illégal, grâce auquel le film est disponible depuis plusieurs semaines, et précipitez-vous en salle dès mercredi. Vous ne regretterez jamais les 10 euros du ticket. That was epic. Hey lovebirds, we have unfinished business, I and he. He and me. Don't you talk to me about grammar.